bah voilà, hein, je suis derrière le bus, il a mis son clignotant à droite et je vais à droite, ça saoule de bon matin. Bonjour à tous. Mardi 26 février. Ça va mieux qu'hier. Hier j'étais... Enfin, on verra ce soir, mais ce matin ça va, je suis en forme. Hop. J'étais en forme jusqu'à temps ce que je me... Jusqu'à temps de me retrouver, bon bref, jusqu'à ce que je me retrouve derrière le gros bus. Il fait chier, putain. Oui, c'est bien les bus, hein, je sais. Et voilà. Bon, généralement, ils sont pas non plus, c'est pas des maux du genou, hein, les bus ici. Hein. Mais bon, je sais pas. On est toujours énervé, enfin pas énervé, mais c'est toujours, on dit putain, je l'ai le bus, quoi. Voilà, dans la portion de route, là, il s'est arrêté pas mal, j'ai pas pu doubler. Et puis là, normalement, il s'arrête plus. Bref. Donc oui, je disais, je suis bien mieux en forme qu'hier. Hier, j'étais vraiment pas bien. Pas bien de fatigue, de je sais pas quoi. Pas bien, quoi. Et du coup, là, ce matin, je suis en forme. Et voilà, je disais, j'espère que ça va durer toute la journée. Enfin, jusqu'à ce soir. Je vais pas avoir un coup de massue... Voilà, j'ai eu encore un petit virus, je sais pas, comme j'ai un peu eu des maux de ventre, je sais pas. Mais bon, je pense qu'il y a aussi le boulot qui fait beaucoup, qui joue sur mes nerfs, qui me stresse. Alors, je devrais pas, je devrais essayer de prendre du recul. J-4 hein, avant les vacances, donc je sais. Au boulot, quand je dis je suis crevée, ah, mais t'inquiète pas, t'es en vacances, ok, je m'inquiète pas, mais. Quand même quoi. Bref, il fait beau, il va faire beau. On m'a toujours pas reçu les trucs pour mon compteur là. Putain, les petits transistors, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est hyper long quoi. Mais en même temps, bon, si David il reçoit ça pour les vacances, c'est pas plus mal, comme ça il aura le temps de s'en occuper tranquillement. Voilà. Ah, si, il s'arrête. Mais là, je vois. Bonne chose de faite. Je suis vraiment contente de mon sac que j'avais acheté chez Gémeaux. Il est super grand, il est super bien. Les anses, elles sont justes. Parce que des fois, il y a des anses comme ça, là. Elles sont trop petites. Enfin, trop petites. Elles me serrent avec mon blouson et tout. Et là, elles sont parfaites. Je sais pas pourquoi je parle de mon sac. On est content de quelque chose, hein. On a souvent tendance à dire qu'on n'est pas content d'un truc, donc quand on est content d'un truc, faut le dire, même si c'est de son sac à main. C'est vrai que je suis drogué ce matin. Hein. Ah non, mais il fait trop beau. Il va faire trop beau, le ciel est tout dégagé. C'est génial. J'ai vu un truc sur les commentaires par rapport à YouTube qui bloquait les commentaires des vlogs famille parce qu'on voyait des enfants. Alors je sais pas si c'est à partir d'un certain nombre d'abonnés ou pas, parce que moi ils m'ont pas bloqué de commentaires. Enfin pas bon. C'est-à-dire qu'ils désactivent en fait, c'est-à-dire que les gens peuvent pas commenter. Je sais pas à partir de quand ils te considèrent, parce que moi je mets vlog famille dans les trucs. On voit pas énormément Alexis. Je sais pas comment ça faut, j'ai vu des vidéos là qui tournaient, faut que je les regarde pour voir un peu de quoi il en est. Où elle en retourne exactement. Ouais, si un jour vous me voyez mes commentaires sont désactivés, vous me prévenez. Vous m'envoyez un MP sur Insta pour que je les réactive. Parce qu'apparemment on peut aller sur la vidéo et réactiver. Mais bon. Les gens regardent la vidéo, puis bon, ils vont pas revenir commenter quoi, c'est ridicule. Ok. Si vous m'aimez vraiment, vous le faites. Hein. Non mais c'est encore bizarre cette histoire. Enfin, c'est vraiment où ça implique des enfants mineurs. C'est pour la protection des enfants donc. Le problème de ce truc là, c'est qu'en soi,
En fait, on se protège toujours contre les abus possibles et les abus réels qu'il peut y avoir sur YouTube par rapport aux enfants. Il y a certaines chaînes. Après, c'est compliqué de déterminer est-ce qu'il y a de l'abus, est-ce qu'il n'y a pas de l'abus, est-ce qu'on met en avant ses enfants. Moi, je sais qu'Alexis, alors, quand il ne veut pas être filmé, je ne le filme pas, je lui demande toujours avant. Des fois, il me dit oui, enfin, il me dit non, je ne veux pas, puis après, il me dit oui. Puis, il ne sait pas trop lui-même, donc il a envie, il n'a pas envie. Quand on est en sortie et que je le filme, qu'il est avec David, il marche, il fait je sais pas quoi, il dit rien. Et s'il me dit non, je ne veux pas filmer, hein, je ne le filme pas. Mais en fait, il faut que je relise, enfin, il faut que je trouve vraiment une explication à ce truc parce que. Cela dit, je suis tout à fait d'accord pour protéger les enfants. Hein. Des abus, des circonstances. Peut-être aussi parce que certains parents font du fric sur le dos, leurs gosses sur YouTube. Peut-être. Mais des fois, je pense qu'il faudrait étudier le truc au cas par cas. Quoi, parce que, c'est sûrement pas possible. Le cas par cas, c'est jamais possible. Mais peut-être en fonction de la chaîne, enfin. Bon bref, je parle toute seule. Mais il faut que je me renseigne et que je regarde. J'avais vu des vidéos qui en parlaient. Donc il faut que je les regarde et que j'essaie de voir ce qu'il en est. Parce que quand on va partir en vacances, il va être sur les vlogs et. Ah oui. La famille. Bref, du coup, en fait j'avais dit hier qu'il ne restera pas de vidéo. Alors, je sais pas si une arrive, mais en tout cas, j'ai déjà bien parlé ce matin parce que je suis en forme. En forme de quoi, je ne sais pas, mais je suis en forme. A tout à l'heure. Voilà. Me voilà de retour chez moi. Donc, curieusement, alors, autant hier soir, j'étais au bout de ma vie. Hein, j'étais pas en forme du tout. J'étais ultra fatiguée. Je sais pas ce que j'ai eu, bref. Alors, aujourd'hui, je sens la fatigue, mais je me sens vraiment nettement mieux. Vraiment, j'ai passé... une bonne journée. Vraiment, vraiment. Il y a toujours le temps. Toujours un temps de ouf. Hein. Ça change pas. Voilà. Il fait beau. Bon, le soleil commence à se cacher derrière la maison là. Faut que je la rase. Le soleil d'hiver, il est encore pas assez haut le soir. Là, des petites fleurs là poussées. Hop. C'est beau. Hein. J'adore. Fin mars, on va changer d'heure, donc le soleil sera un peu plus... il est là, en fait. S'il est là. Mais du coup, il éclaire plus. Il chauffe plus ma terrasse. Là où on s'assoit pour boire un coup. Ou pour manger. Voilà, donc demain, mercredi. J'ai trop hâte. Hop, la mise au point. Je vais laisser ouvert un peu. Hop. Aérer 3 secondes, donc c'est cool. Voilà, voilà. David n'est pas encore rentré. Bon, il est tôt. Bon, hier il est rentré tôt, cela dit. Je pense qu'il va rentrer un peu plus tard aujourd'hui. Hop, ce soir on va manger la même chose qu'hier soir. Donc, salade de. Donc, David il aime ça, qu'il n'aime pas ça, les pois chiches. Moi je finis mon reste de salade de pois chiches et mon reste de saumon fumé avec une petite mousse au chocolat. Je pense qu'à la bouffe, je sais. Là, je vais me faire un petit verre de... Un petit verre d'eau, tout simplement, parce que j'ai soif. Ben voilà, donc rien de spécial à raconter, rien de spécial à faire. Je vais donc boire un coup, je vais enlever mes chaussures. Et après, je vais aller... Ah, j'ai peut-être une lessive à faire. Je vais voir, je crois que la machine, elle est pleine. Donc elle est bien pleine, je peux juste rajouter un demi-gilet. Hop. Il n'est pas vraiment sale, mais de toute façon je ne le mets pas. Donc. Hop. Allez, c'est parti. Mon kiki. Pour une petite lessive des familles.
Il m'en faut peu pour être heureuse. Et il m'en faut peu pour être malheureuse. Hop. Allez, je vous dis... à plus tard. À plus tard ou un autre jour. Je ne sais pas encore.